Alors, je vous rejoins parce que j'ai une double casquette entre guillemets. La première, c'est d'être évêque d'un diocèse rural, le diocèse de C, qui est dans l'Orne. Alors, beaucoup m'ont demandé où se trouvait la ville de C. Elle se trouve en Normandie, donc dans ce qu'on appelait avant l'Orne la basse Normandie. C'est en fait tout près d'Alençon, à 20 km d'Alençon. Quand le nonce m'a indiqué qu'il devenait évêque de C, je lui ai demandé où était la ville de C. Alors, il ne faut pas confondre C avec un Z et C avec un S. Donc je suis l'évêque du diocèse de C avec un Z, mais j'habite la ville de C avec un S. Voilà. Je vais vous expliquer, parce que c'est assez simple. En fait, il y a deux villes qui s'écrivaient S-E-E-Z, et Napoléon a dit qu'il va y avoir deux villes qui ont le même orthographe. Donc les Normands se sont bien sûr exécutés à l'ordre de l'empereur, et donc ils ont écrit leur ville avec un S. Par contre, il n'y a qu'un seul diocèse de C avec un Z. Donc voilà, c'est pour ça que des fois vous verrez les deux orthographes. Donc je suis évêque d'un diocèse rural, et depuis le début de l'année, depuis le mois de septembre, enfin je suis évêque depuis 8 ans dans le diocèse de C, et depuis le début de l'année pastorale, je fais une visite pastorale tout spécialement consacrée au monde rural, avec 10 thématiques particulières qui me font rencontrer un certain nombre de questions que vous avez vous-même dans votre cœur et dans votre esprit. Donc ça, c'est la première raison de ma présence. Et la seconde raison, c'est que j'ai été nommé il y a 2 ans, au sein de la Conférence des évêques de France, l'évêque accompagnateur de la mission rurale. Alors, il faut bien voir, hein, c'est tout ce qui se passe dans le monde rural, évidemment, c'est immense, au niveau pastoral. Il y a des associations, il y a des mouvements, il y a des services, il y a des gens qui sont engagés, il y a toutes les paroisses. Et donc, évidemment, l'évêque accompagnateur de la mission rurale, c'est pas lui qui est le responsable de tout cela, mais c'est lui qui peut être sollicité, comme vous le faites aujourd'hui en m'invitant. Et dans ce cadre-là, nous organisons avec une équipe assez diversifiée un grand rassemblement pour le monde rural en avril 2020 qui aura lieu dans la Drôme, au foyer de charité de Châteauneuf. Et dans l'équipe de préparation se trouve un membre des journées paysannes, donc M. François qui est avec nous, et donc en quelque sorte il vous représente. Et donc ce rassemblement, j'en reparlerai un petit peu à la fin de ma conférence, il est vraiment un désir des évêques que pendant 3 jours à peu près, eh bien, nous focalisions notre réflexion autour de toutes les questions de la ruralité, pas simplement le monde agricole, même si bien sûr ça en fera éminemment partie, mais voilà, c'est un désir que depuis plusieurs années les évêques avaient. Et oui, donc ma mission fait que je dois coordonner ce rassemblement. Alors, sinon, avant d'être évêque de C, j'étais prêtre dans le diocèse de Créteil, donc dans le Val-de-Marne, ce qui a été un changement assez important pour moi de passer d'une super urbanisation à la ruralité. J'avais calculé que si la densité de population était la même à Créteil que dans l'Orne, il y aurait 30 millions d'habitants dans l'Orne. Mais en fait, il y en a 300 000. Alors, cette année, le thème que vous avez choisi tourne autour de l'économie, hein, et de la finance, agriculture et économie, de l'économie financière à l'économie du vivant. Et le titre même est clair en posant cette distinction entre ce qu'on pourrait appeler une économie qui tourne sur elle-même, donc une économie financière, et une économie au service de la vie des hommes, de la société, l'économie du vivant. Et donc, vous touchez évidemment à travers ce thème des problématiques qui traversent le monde rural, et donc hier vous avez eu deux belles conférences qui vous ont déjà bien aidé à continuer l'approfondissement de ces questions, mais nous touchons aussi une question qui concerne la marche de notre société, de toutes nos sociétés, lesquelles sont, nous le savons bien, directement impactées par l'état des finances au plan mondial. Et nous mesurons, alors je n'étais pas là à la première conférence, mais je sais qu'il y a eu un grand écho chez beaucoup d'entre vous, hein, l'aspect très pernicieux d'un certain nombre de mécanismes, hein, avec cette dimension financière qui dicte finalement la marche du monde avec les conséquences que l'on connaît. Et vous savez combien François a dénoncé à diverses reprises, notamment dans son encyclique Laudato Si, hein, il parle de ce qu'il appelle le paradigme technocratique, hein, qui est plus large, mais qui intègre aussi la dimension financière, et il y a une analyse très fine autour de toutes ces questions, et surtout il invite les chrétiens, les catholiques, mais tous les hommes de bonne volonté à essayer de sortir de ce paradigme. Donc lorsque vous m'avez invité, vous m'avez demandé que je puisse ce matin exposer les éléments centraux de la doctrine sociale de l'Église sur cette question,
Donc c'est vraiment une très belle commande. Et, je le dis un peu en introduction, cette doctrine sociale est un véritable trésor que nous avons et dans lequel à la fois il nous faut puiser nous-mêmes, parce que nous en avons besoin, et il faut certainement l'approfondir et le travailler, ce trésor, et en même temps que nous devons proposer autour de nous dans les débats notamment qui sont les nôtres dans la période que nous vivons. Hein, le titre que vous avez donné à ma conférence, « Préparer la voie d'un renouveau à partir de la doctrine sociale de l'Église ». Et donc, il me semble que nous avons ici, encore une fois, un trésor, une richesse extraordinaire, et dans les conditions actuelles de notre humanité, ça se présente comme un immense service que nous pouvons, mais surtout que nous devons rendre à notre société. Alors, vous évoquiez dans la commande, quand vous m'avez invité, que je puisse faire allusion à quatre textes fondamentaux de cette doctrine sociale, donc Rerum Novarum, Quod Regisimo Anno, Mater et Magistra et Santesimus Annus. Donc c'est en fait quatre encycliques. Alors c'est un peu difficile et voire impossible que je reprenne ces quatre encycliques parce qu'à elles seules, elles pourraient faire l'objet d'une session entière. Ceci dit, j'essaierai d'y faire allusion. Je reprends quand même ces quatre textes parce que c'est vrai que c'était bien de les avoir mis en valeur, Rerum Novarum, donc là vous l'avez bien entendu déjà hier à plusieurs reprises, vraiment les choses nouvelles, c'est une encyclique publiée en mai 1891 par le pape Léon XIII, et qui est pour tout le monde le texte inaugural de ce qu'on appelle aujourd'hui la doctrine sociale de l'Église. Notamment il défend dans ce texte l'inaliénable dignité des travailleurs. 40 ans après, donc c'est le titre de la deuxième encyclique, Quod Regisimo Anno, c'est une encyclique du pape Pie XI, donc publiée le 15 mai 1931, donc 40 ans après Rerum Novarum, et qui a été écrite, si vous voulez, un peu après la grande dépression financière de l'époque, et qui préconisait notamment l'établissement d'un ordre social fondé sur le principe de la subsidiarité, qui fait partie aussi des grands principes de la politique sociale de l'Église. Ensuite, il y a effectivement le texte Mater et Magistra, encyclique du pape Jean XXIII, le 15 mai 1961, donc avant l'ouverture du Concile, et 70e anniversaire de Rerum Novarum. Et puis enfin, le dernier, l'encyclique Santesimus Annus, écrite par le pape Jean-Paul II, donc en 1991. Donc on a la quatre encycliques vraiment fondatrices. La doctrine sociale, c'est toute une série de textes, si vous voulez, qui ont été publiés depuis Rerum Novarum, et qui sont cycliques, mais aussi des exhortations, des textes du magistère, de la tradition. Je peux ajouter quatre autres textes qui sont vraiment importants, même s'il y en a bien d'autres. Il y a la constitution du Concile Vatican II, Gaudium et Spes, qui, beaucoup de reprises, parle de la doctrine sociale de l'Église. Il y a le beau texte du pape Paul VI, Populorum Progressio, en 1966. Jean-Paul II, Solitudo Rei Socialis en 1987, et enfin le pape Benoît XVI en 2009, Caritas in Veritate. Voilà, c'est pour vous donner un petit peu une vision des grands textes fondateurs. C'est vrai que s'il y a un pape qui parle beaucoup de la doctrine sociale, des questions financières et économiques, c'est notre pape François, dans l'encyclique Laudato Si. Qui est certainement une encyclique qui va entrer progressivement dans ce grand corpus de la doctrine sociale de l'Église, mais il avait également écrit de belles choses dans son premier texte qui a ouvert son pontificat, le texte « La joie de l'Évangile ». Et je voudrais ici vous citer donc deux citations très claires du pape François, non pas sur la doctrine sociale, mais sur la question de la finance et de l'économie, dans « La joie de l'Évangile ». Au paragraphe 202, il écrit « Tant que ne seront pas résolus radicalement les problèmes des pauvres en renonçant à l'autonomie absolue des marchés et de la spéculation financière et en attaquant les causes structurelles de la disparité sociale, les problèmes du monde ne seront pas résolus, ni en définitive aucun problème. » Et puis dans Laudato Si, au paragraphe 158, il écrit « Dans les conditions actuelles de la société mondiale, où il y a tant d'inégalités et où sont toujours plus nombreuses les personnes marginalisées, privées des droits humains fondamentaux, le principe du bien commun devient immédiatement, comme conséquence logique et inévitable, un appel à la solidarité et à une option préférentielle pour les pauvres. »
Mais ces deux textes un peu en traduction. Quel sera le plan de mon exposé maintenant? En fait, deux parties. Une première partie où je vais effectivement vous donner les grands principes de la doctrine sociale. Alors, j'imagine que certains parmi vous ont déjà beaucoup travaillé ces questions, donc peut-être que ça va être un peu d'érudite, mais c'est pas toujours bon de réentendre les choses, même si on les connaît bien. Et puis, dans une seconde partie, j'essaierai davantage de parler de la dimension financière. Et puis, dans une conclusion, j'essaierai de vous adresser quelques appels dans la situation qui est la vôtre. Et puis après, il pourrait y avoir quelques questions, je pense. Donc voilà, première partie, les grands principes de la doctrine sociale. Alors voilà, c'est encore une fois assez difficile de le dire en quelques mots. Disons que c'est une doctrine donc, qui essaye d'aborder la question de la façon dont nous vivons dans la société aujourd'hui. Hein, quand on aborde des questions de la morale, il y a plusieurs domaines de la morale, il y a la morale sexuelle, il y a la morale familiale, il y a la morale politique, et donc il y a la morale sociale, et le catéchisme de l'Église catholique, au paragraphe 2421, la présente un peu comme cela. La doctrine sociale de l'Église s'est développée au XIXe siècle, lors de la rencontre de l'Évangile avec la société industrielle moderne. Ses nouvelles structures pour la production de biens de consommation, sa nouvelle conception de la société, de l'État et de l'autorité, ses nouvelles formes de travail et de propriété. Autrement dit, cette doctrine sociale, elle s'est modelée finalement en réponse à une nouvelle société qui est en train d'advenir. Donc c'est vrai que le 19e siècle dans ce domaine est un siècle charnière. Et à partir de cette première encyclique, donc Rerum Novarum pour 1881-11, c'est le point de départ de toute une série de textes pontificaux et autres qui vont aider les chrétiens à vivre dans la société dans laquelle ils se développent, avec des défis nouveaux, avec des questions nouvelles qu'il faut évidemment essayer de régler. Et c'est ça, si vous voulez, la tradition, quand on parle de la tradition dans l'Église, c'est toujours une tradition vivante qui essaye, en puisant dans le trésor de la révélation, du magistère, et de données révélées, des adaptations pour que nous puissions vivre chrétiennement dans le monde tel qu'il nous est donné. Et on sentait bien que Léon XIII, il pressentait ce monde nouveau qui était en train d'advenir, et il écrit, sans penser qu'il était en train d'ouvrir la doctrine sociale de l'Église, mais il écrit cette encyclique. Comprenons bien que ce n'est pas simplement à partir de Léon XIII qu'on va vivre selon ces principes. Ces principes, ils sont dans l'Évangile, ils sont dans la tradition, ils sont très anciens, mais c'est à partir de cette encyclique qu'ils vont être systématisés et qu'il va y avoir ce développement à chaque fois, en essayant de répondre aux questions qui se posent aujourd'hui. On pourrait faire un parallèle, si vous voulez, entre toutes les questions de bioéthique qui se développent depuis plusieurs décennies, il y a des questions totalement nouvelles auxquelles il faut, puisant dans le trésor de la tradition, essayer de répondre, des fois pour les contester vigoureusement et pour s'y opposer, d'autres fois pour dire effectivement ça c'est une question nouvelle, on n'avait pas forcément dans les années précédente aborder ce type de problématique parce que tout simplement elle ne se posait pas. Donc c'est vrai qu'en 1931, 40 ans après qu'Adrégisé Moano, c'est suite à la crise de 1929, donc il y a aussi des questions nouvelles par rapport à 1991, et puis aussi Jean XXIII, en 1961, il voit le développement des grandes puissances financières, il voit un monde nouveau aussi qui advient après la Deuxième Guerre mondiale, et toute une série de questions nouvelles, et il essaie d'y répondre. Alors c'est le pape Jean-Paul II qui avait demandé que face à tout ce bouillonnement à la fois de l'unité dans la société et aussi d'intervention du magistère, qu'un ouvrage soit rédigé pour faire comme une synthèse de cette doctrine. Et donc c'est ce qu'on appelle le compendium de la doctrine sociale de l'Église. Ça c'est vraiment un livre qu'on peut avoir, c'est pas un livre, c'est vrai qu'on peut le lire bien sûr d'un seul trait, mais c'est un peu comme un dictionnaire, une bibliothèque dans lequel, à travers des thèmes bien précis, vous avez tous les textes qui s'y réfèrent. Pas tous, parce que sinon il faudrait des bibliothèques, mais en tout cas c'est très très bien fait, et voilà, quand on a une question, on peut aller là, quitte après, en fonction d'une citation qu'on a pu recevoir dans ce compendium, aller regarder d'un peu plus près. Et donc ce livre, il a été publié en 2004.
Hein, et donc, c'est vraiment pour ceux qui veulent s'intéresser et travailler la question, il faut travailler le compendium. Je vous lis ce qui est écrit dans une espèce d'introduction à ce texte. La lecture de ces pages est avant tout proposée pour soutenir et inciter l'action des chrétiens dans le domaine social, en particulier les fidèles laïcs, dont c'est le milieu spécifique. Vous savez, Jean-Paul Lui avait beaucoup insisté, notamment dans le texte Christi Fidelis Laici, sur la mission et la place des laïcs dans le caractère séculier qui est le vôtre. Vous travaillez dans le siècle, vous êtes immergé dans les questions du monde d'aujourd'hui, et donc vous avez, vous avez la main pour prendre toute votre place, et l'Église, à travers ce compagnon, vous donne un peu les éléments. Donc voilà, il invitait les fidèles laïcs, dont c'est le milieu spécifique, et il ajoutait tout lecteur de bonne volonté, donc ça c'est l'expression aussi codée, hein, quand on dit des hommes de bonne volonté, ce sont des personnes qui ne sont pas forcément chrétiennes ou catholiques, mais qui essayent, en suivant leur conscience, eh bien, d'avancer vers le bien, vers le vrai, et d'essayer de donner le meilleur d'eux-mêmes. Donc tout lecteur de bonne volonté pourra connaître les motifs qui poussent l'Église à intervenir avec une doctrine dans le domaine social qui, à première vue, ne semble pas relever de sa compétence, ainsi que les raisons d'une rencontre, d'un dialogue, d'une collaboration pour servir le bien commun. Dans la doctrine sociale de l'Église, il y a beaucoup l'idée d'entrer en dialogue, d'entrer en conversation, ce sera un des leitmotifs du pape, notamment Paul VI, hein, qui n'est pas du tout, quand on parle de dialogue ou de conversation, une capitulation par rapport au désir d'annoncer l'Évangile, mais qui nous met dans une certaine posture et avec cette expression qui est déjà donnée d'emblée, en vue du bien commun. Parce que ça, c'est un des grands principes de la doctrine sociale de l'Église, c'est de chercher le bien commun. Alors, le compendium, je ne veux pas bien sûr le présenter de façon complète, mais il se compose de trois parties. Une première partie qui nous redit le dessein de l'amour de Dieu pour l'humanité, la mission de l'Église dans ce domaine social, la question de la personne humaine et de ses droits, et les principes, les grands principes de la doctrine sociale sur lesquels je vais revenir. Après, il y a une deuxième partie qui prend des thèmes plus particuliers, et notamment un thème très important qui est celui de la famille, hein, comme cellule vitale de la société. Après, un développement sur ce qu'est le travail humain, ensuite la vie économique, donc la question particulièrement d'aujourd'hui, la question de la communauté politique et la question de la communauté internationale. Donc, vous voyez, ça brasse large des thèmes qui sont très importants et qui sont surtout liés les uns aux autres. Alors, c'est sûr qu'on peut aller regarder de près une dimension de la doctrine sociale, la travailler, l'approfondir, mais il faudra toujours se dire que ça doit se comprendre dans l'ensemble des problématiques qui s'interpénètrent. Il y a un grand principe que le pape François expose dans Laudato aussi, c'est cette petite question, tout est lié. Hein, ce qui rend la chose très difficile. Parce que des fois, on va développer un aspect, on va essayer d'être cohérent, ça sera très bien, puis on va s'apercevoir que cette belle cohérence qu'on a pu construire, elle n'est pas forcément en adéquation avec d'autres problématiques. Donc, vous voyez, alors c'est pas pour dire que c'est la quadrature du cercle, hein, je crois qu'il y a une vraie harmonie à laquelle on peut arriver, il y a vraiment des vraies solutions concrètes, mais qui demandent vraiment un vrai travail et surtout d'éviter de fonctionner par des slogans. Il n'y a rien de pire dans ce genre de questions, un beau slogan qui peut d'ailleurs être un peu médiatisé, mais qui finalement ne sert pas à grand chose parce qu'il est beau, il est pertinent, il est médiatique, mais il n'est pas, c'est pas suffisant. On ne peut pas s'en sortir simplement avec des slogans. Il faut travailler. Et puis la troisième partie de ce texte, c'est la doctrine sociale et l'action ecclésiale. Comment l'Église peut effectivement intervenir. Et puis la conclusion, qui reprend une parole du pape Paul VI, c'est important vraiment de le mettre, même si les questions après sont complexes et ne peuvent pas se résoudre uniquement par des slogans, mais là il y a vraiment une belle expression qu'on connaît bien, c'est pour une civilisation de l'amour. C'était un souhait du pape Paul VI, hein, que l'Église, dans ce qu'elle est, dans ce qu'elle fait, dans ce qu'elle propose, eh bien, soit pour la promotion d'une civilisation de l'amour. Donc je me référerai un petit peu à ce compendium. Je vous invite surtout à le travailler.
Et puis, d'une façon plus brève, mais quand même bien argumentée, il est question de la doctrine sociale de l'Église dans le catéchisme de l'Église catholique, un certain nombre de paragraphes qui lui sont consacrés, et j'en citerai quelques-uns. Donc le catéchisme, lui, il a été publié en 1992. Hein, il était ce qui avait été fait après le Concile de Trente, il y avait le catéchisme du Concile de Trente, et Jean-Paul II avait, après Vatican II, il peut y avoir, non pas le catéchisme de Vatican II, mais un catéchisme qui se nourrit de ce que ce concile a apporté. Donc, en résumé, on peut dire que la doctrine sociale ne cherche pas, si vous voulez, à proposer un programme hein, qu'il suffirait d'appliquer pour construire une société chrétienne, mais elle édicte un certain nombre de grands principes, et ils sont souvent sortis de la Sainte Écriture, de la tradition, et le but, c'est de les énoncer dans des formules qui soient universellement compréhensibles pour tous les hommes de bonne volonté et qui puissent les travailler en se référant à leur raison. On a des arguments, nous, qui nous sont propres et dans lesquels on va faire allusion au Dieu créateur. Donc c'est important, on se dit, comme Dieu est créateur, il y a un certain nombre de comportements qu'on doit avoir, puisque mais quand vous parlez à quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, l'argument d'un Dieu créateur n'a pas beaucoup de poids, quoi. Alors, c'est pour ça qu'il ne faut pas l'employer, hein. Mais oui, la doctrine sociale, elle essaie d'avoir un discours où la raison puisse finalement comprendre et être touchée par les arguments qui sont donnés, au-delà des arguments que nous puiserions uniquement dans notre propre foi. Bien sûr, ça, et c'est pour ça que je ne suis pas moi du tout contre l'idée qu'il puisse y avoir des fois des dialogues qui se situent à deux niveaux. Un dialogue où on est entre chrétiens, où un certain nombre de choses sont évidentes, ils sont un peu un socle commun, et donc ben voilà, on approfondit, on travaille. Alors. Et puis, il y a un dialogue que l'on mène avec des gens qui ne sont pas chrétiennes, des personnes qui ne sont pas chrétiennes, qui sont des hommes et des femmes de bonne volonté, et là, il nous faut des arguments de raison. C'est également cette problématique qui se joue dans les débats de la bioéthique, et dans ce domaine, Mgr Dornelas, un archevêque de Rennes, a beaucoup, beaucoup travaillé ces questions pour que, quand il est invité dans des forums, dans des instances politiques, eh bien, ils puissent avoir aussi ce discours de raison. Un des fondements de la doctrine sociale, c'est d'admettre ce qu'on appelle une loi naturelle, une loi de la nature. Alors ça, c'est quelque chose qui est pas mal battu en brèche aujourd'hui, mais qu'il y a un certain nombre de choses qui appartiennent à la nature humaine et auxquelles nous sommes soumis. Et donc ça, c'est vraiment assez fortement contredit par beaucoup de penseurs aujourd'hui, par beaucoup de personnes, de chercheurs, de scientifiques. Mais c'est vrai que ça fait partie de l'ADN, de la doctrine sociale de l'Église. Voilà, dans cette première partie, donc je suis très, très général, vous le remarquez, je voudrais m'arrêter simplement sur quatre grands principes de cette doctrine sociale. Il fallait bien que j'en choisisse quelques-uns, il y en a une dizaine, mais je vais en prendre que quatre. Que je vous indique maintenant, puis je vais les approfondir. Le premier, c'est la dignité absolue de la personne humaine. Le deuxième, c'est la dimension sociale de l'être humain. Le troisième, c'est la destination universelle des biens. Et le quatrième, c'est évidemment la notion de bien commun. Il y en a bien d'autres, hein, mais je n'ai qu'une heure devant moi, donc il faut avancer. Donc, les deux derniers, si vous voulez, destination universelle des biens et notion du bien commun, c'est vraiment dans les grands principes de la doctrine sociale, voilà, qui sont un petit peu énoncés à la suite. Les deux premiers, ils sont plus généraux, ils sont plus implicites, mais il me paraissait important de m'y arrêter. Donc, la première chose, c'est la dignité absolue de la personne humaine. C'est vrai que nous sommes là vraiment dans les fondements et le grand principe qui doit vraiment nous habiter, c'est que la personne humaine doit être respectée dans toute son intégrité et dans toute sa dignité. Et donc là, je vous lis un petit passage du Compendium, numéro 107, qui cite ici Mater et Magistrat. L'homme considéré sous son aspect historique, concret, représente le cœur et l'âme de l'enseignement social catholique. Toute la doctrine sociale se déroule en effet à partir du principe qui affirme l'intangible dignité de la personne humaine. Donc là, c'est le pape Jean XXIII qui écrit cela en 1961.
Et donc, le compagnon reprend cette citation de Jean 23, et il la déploie. À travers les multiples expressions de cette conscience, l'Église a souhaité avant tout protéger la dignité humaine face à toute tentative d'en proposer des images réductrices et déformées. L'histoire atteste que la trame des relations sociales fait ressortir certaines des plus vastes possibilités d'élévation de l'homme, donc là, remarque positive, mais qui s'y cache aussi des négations les plus exécrables de sa dignité. Donc c'est un peu ce mélange, si vous voulez, qui est la façon dont nous vivons, notre condition humaine en tant que chrétien, hein, et que Jésus évoquera dans l'Évangile, ce mélange entre le bon grain et l'ivraie. Ah oui, ne soyons pas surpris, lorsque nous vivons aujourd'hui, d'être confrontés au péché, d'être confrontés au mal, d'être confrontés à la souffrance, qui viennent justement défigurer la dignité vraiment absolue de tout être humain, mais c'est notre condition pour l'homme. C'est notre condition humaine, c'est l'état dans lequel nous devons vivre notre vie chrétienne, et l'état dans lequel le monde existe. Voilà, je cite un autre passage, là, la personne humaine, et ça c'est dans Gaudium et Spes, la personne humaine est et doit être le principe, le sujet et la fin de toutes les institutions sociales. Hein, et donc on voit bien comment le système financier, le système économique, eh bien, parfois, ou souvent, eh bien, sont allés à l'encontre de ce respect absolu de la dignité humaine. Et je cite un autre petit passage, une pratique qui réduit les personnes à n'être que le pur moyen en vue du profit, asservit l'homme, conduit à l'idolâtrie de l'argent et contribue à répandre la dette. Donc, sur cette question, on voit bien que dans la doctrine sociale de l'Église, au nom même de ce respect de la dignité humaine, il y aura vraiment une dénonciation de tout collectivisme, de tout communisme, et aussi d'un libéralisme outrancier. Mais hier, on en a pas mal parlé avec la conférence sur Chesterton. Voilà, donc je vous redis, le principe c'est que l'homme est au centre de tout, et il se trouve que cette semaine, on a lu à la messe chaque jour le passage du livre de la Genèse en première lecture. Dieu créa l'homme à son image, et à l'image de Dieu, il le créa. Il les créa homme et femme. Dieu les bénit et leur dit : soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, soumettez-la. Bref, au centre de la création, il y a l'homme. Alors, ça, vous voyez, ça nous tirons de notre foi en Dieu créateur. Nous allons redire tout à l'heure en chantant le credo : je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, créateur. C'est un combat peut-être qu'il faut mener encore aujourd'hui, parce que des fois dans certains mouvements écologiques, eh bien, on a l'impression que le monde est très beau, la nature est très belle, mais le seul problème c'est qu'il y a l'homme. Et s'il n'y avait pas l'homme, vraiment qui serait merveilleux. Et donc ça, il y a certains mouvements écologiques qui vont un peu loin, enfin bien trop loin là-dessus. Et donc là, il faut qu'on redise avec force, donc, le centre de tout, c'est la personne humaine avec sa dignité. Et l'homme n'est pas un gêneur dans une création qui sans lui serait très belle. Alors cette concentration sur la personne, sur l'individu, n'est pas pour autant la promotion de l'individualisme, qui est aussi une dérive contemporaine. Et donc là j'apporte le deuxième grand principe de la doctrine sociale, qui est la dimension sociale de l'être humain. Là je cite aussi le catéchisme qui cite lui-même Vatican II, au paragraphe 1879, la personne humaine a besoin de la vie sociale. Celle-ci ne constitue pas pour elle quelque chose de surajouté, mais est une exigence de sa nature. Par l'échange avec autrui, la réciprocité des services et le dialogue avec ses frères, l'homme développe ses virtualités, il répond ainsi à sa vocation. Oui, le fait de vivre dans un environnement social, alors qui peut être l'État, qui peut être la famille, qui peut être l'Église, hein, il y a plusieurs formes, mais je vais revenir sur la famille bien sûr, ce n'est pas un accident, ça fait partie de notre nature humaine, que nous soyons des êtres de relation vivant dans un certain environnement social. Et dans cet environnement, la doctrine sociale, dans son ensemble, laisse une place évidemment essentielle à la famille. Là, je cite le paragraphe 1882 du catéchisme. Certaines sociétés, telles que la famille et la cité, correspondent immédiatement à la nature de l'homme. Elles lui sont nécessaires. Cette socialisation exprime également
les tendances naturelles qui poussent les humains à s'associer en vue d'atteindre des objectifs qui excèdent les capacités individuelles. C'est-à-dire que voilà, on a besoin les uns des autres, on a besoin de s'entraider, alors c'est tout ce qui se cache derrière les questions de fraternité, de solidarité, hein, d'entraide mutuelle, qui ne sont pas simplement des choses qui viendraient pour pallier une difficulté ou pour résoudre un problème. Structurellement, nous avons besoin les uns des autres. Et même quand tout va bien, même quand nous sommes en bonne santé, que nous sommes riches et que tout est beau pour nous, eh bien, nous devons être attentifs aux autres. On voit bien que la tentation d'un individualisme qui nous replierait sur nous-mêmes, eh bien, est toujours présent dans le cœur de l'homme. Alors ça, le pape François le reprend très fortement dans l'encyclique Laudato Si, où il va avoir, je vais vous citer quelques petits passages, au paragraphe 213, de très beaux développements sur la famille. Je vous lis quelques passages. Je veux souligner l'importance centrale de la famille, parce qu'elle est le lieu où la vie, don de Dieu, peut être convenablement accueillie et protégée contre les nombreuses attaques auxquelles elle est exposée. Le lieu où elle peut se développer suivant des exigences d'une croissance humaine authentique. Donc c'est très beau parce que la famille, c'est le lieu où on apprend à dire merci, où on apprend à demander pardon, où on apprend à faire attention à l'autre. Dans la famille, je continue, on apprend à demander une permission avec respect. On apprend à dominer son agressivité ou la voracité, à demander pardon quand on cause un dommage. Donc voilà une dimension importante de la doctrine sociale, c'est la vie sociale. Et dans ce cadre qui est très large, au centre de tout, la famille. Alors je sais que c'est un point sur lequel vous êtes très attentif, hein, aux journées paysannes. Cette famille qui se présente comme la première société finalement naturelle où s'exprime la sociabilité humaine. Elle doit donc être reconnue, protégée par les institutions civiles et par l'État. Ce qui est intéressant, c'est de noter qu'à la fin du Concile Vatican II, il y a donc ce grand texte Gaudium et Spes, hein, qui est l'Église dans le monde de ce temps, donc une première partie où le Concile décrit voilà ce que les chrétiens doivent faire dans le monde de ce temps, puis après, dans une deuxième partie, le Concile dit quelles sont les grandes urgences auxquelles nous devons avoir à être attentifs dans les années qui viennent. Oui, on est en 1965 et le Concile met en premier la dignité du mariage et de la famille. Et donc on est bien avant toutes les questions qu'on a aujourd'hui, et donc d'une façon un peu prophétique, les pères conciliaires disent ben, la première des priorités, ce sera la protection, la sauvegarde de la sainteté du mariage et de la famille. Je me permets de dire que, étant évêque du diocèse de C, nous avons eu la joie, il y a quelques années, de vivre avec l'Église universelle, bien sûr, la canonisation de Louis et de Céline Martin, un premier couple canonisé dans l'histoire de l'Église ensemble. Et voilà, c'est aussi un signe que le pape François a donné en canonisant Louis et Céline Martin ensemble. Et ce qui est intéressant, c'est de savoir que celui qui est à l'origine de cette canonisation, c'est le pape Paul VI. Initialement, il y avait un dossier qui avait été ouvert pour la canonisation de Louis Martin, un dossier ouvert pour la canonisation de Zélie Martin, donc les parents de Sainte-Thérèse, et en 71, Paul VI dit, s'ils sont canonisés, ce sera ensemble, au nous-mêmes, au sacrement du mariage. Et donc cette canonisation, j'allais dire, est une illustration de ce souci que portait le Concile de la sauvegarde de la famille et du mariage. Troisième grand principe de la doctrine sociale, c'est donc ce qu'on appelle la destination universelle des biens. Alors hier, M. Maxence en a beaucoup parlé hein, dans son développement sur Chesterton. Je vous lis hein, de quoi il s'agit. Ça, c'est aussi dans le catéchisme de l'Église catholique, au paragraphe 2402. Au commencement, Dieu a confié la terre et ses ressources à la gérance commune de l'humanité pour qu'elle en prenne soin. La maîtrise par son travail et jouisse de ses fruits. Les biens de la création sont destinés à tout le genre humain. Donc, évidemment, à travers cette question que pose ici la doctrine sociale, il y a la façon dont on considère la propriété privée. Donc, donc Chesterton nous disait hier qu'il devait se multiplier d'une façon la plus large possible. Hein, alors, ce n'est pas contradictoire. L'appropriation, là je continue la lecture, l'appropriation des biens est légitime,
pour garantir la liberté et la dignité des personnes, pour aider chacun à subvenir à ses besoins fondamentaux ou aux besoins de ceux dont il a la charge, la propriété privée. Elle doit permettre que se manifeste une solidarité naturelle entre les hommes. Vous voyez, donc, le droit de propriété est reconnu et est protégé, et en même temps, il ne doit pas être un droit absolu qui pourrait aller à l'encontre donc de ce grand principe, la destination universelle des biens. Je vous lis ici le paragraphe 2403. Donc le droit de propriété n'abolit pas la donation originelle de la terre à l'ensemble de l'humanité. La destination universelle des biens demeure primordiale, même si la promotion du bien commun exige le respect de la propriété privée. L'homme, dans l'usage qu'il en fait, ne doit jamais tenir les choses qu'il possède légitimement comme n'appartenant qu'à lui, mais les regarder aussi comme communes, en ce sens qu'elles puissent profiter non seulement à lui, mais aux autres. Voilà, on voit bien qu'il y a un principe qui est très important, hein, qui doit être bien sûr bien régulé, bien réfléchi, mais que l'Église nous rappelle avec force. Et enfin, le quatrième principe, c'est la notion de bien commun. Donc ça, c'est vraiment un pilier essentiel, qui est souvent d'ailleurs cité en premier. Vous entendrez souvent des gens dire « le grand principe de la doctrine sociale de l'Église, c'est la notion de bien commun ». C'est vrai que c'est très très important. Je vous en donne ici une petite définition. Par bien commun, il faut entendre l'ensemble des conditions sociales qui permettent tant au groupe qu'à chacun de leurs membres d'atteindre leur perfection d'une façon totale et aisée. Le bien commun intéresse la vie de tous. Il réclame la prudence de la part de chacun et plus encore de la part de ceux qui exercent charge de l'autorité. Autrement dit, le bien commun n'est pas la somme des biens individuels. Vous savez, le bien commun demande la prudence, c'est-à-dire que voilà, et il demande aussi une grande clairvoyance de la part de ceux qui ont la charge de l'autorité. Par rapport à ce bien commun, il y a trois éléments qui doivent être associés à cette réflexion. C'est le respect de la personne. Chaque être humain doit être respecté. Donc il y a une question de la conscience, de la sauvegarde de la vie privée, de la liberté. La doctrine ici insiste beaucoup sur la liberté religieuse. En fait, la liberté religieuse, c'est dans ce cadre-là que le Concile en a parlé. Il n'a pas parlé de la liberté religieuse pour dire toutes les religions se valent et il n'y a pas de différence entre tout ça. C'est dans le cadre de ce bien commun, respectons la liberté religieuse. Deuxième élément, le bien commun implique que tout le monde ait un certain nombre de moyens pour vivre. Donc nourriture, vêtements, santé, travail, éducation, culture, droit de fonder une famille. Et ça, c'est quelque chose qui appartient à l'autorité de promouvoir et de protéger. Et puis, une troisième chose qui, bien sûr, impacte la question du bien commun, c'est la notion de la paix. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bien commun sans sécurité et sans un ordre juste. Donc voilà, je vais vite. C'est vrai que c'est quatre grands principes que j'ai dégagés. Vous comprenez à travers ce que je viens de dire que dans la doctrine sociale de l'Église, on n'a pas à chercher des réponses immédiates, qu'il faudrait appliquer d'une façon un peu automatique, parce que le réel est complexe, les défis sont immenses, et donc je reviens à cette idée de ne pas s'enfermer dans des slogans, mais de trouver des points de repère, des bases incontournables pour nous, qui nous indiquent des chemins de justice, d'équité, de fraternité, d'humanité, et dans un désir, et plus qu'un souci, dans un désir de le partager avec, encore une fois, tous ceux qui veulent bien entrer dans ce chemin de recherche du bien commun. Il y a une tentation dans laquelle il ne faudrait pas succomber, c'est de penser que la doctrine sociale de l'Église pourrait donner comme un programme politique qui serait tout ficelé et qui suffirait simplement d'appliquer. Je cite ici le pape Benoît XVI dans l'encyclique Caritas in Veritate, au paragraphe 9. C'est important de l'entendre. Il écrit « L'Église n'a pas de solution technique à offrir et ne prétend aucunement s'immiscer dans la politique des États.
Elle a toutefois une mission de vérité à remplir en tout temps et en toutes circonstances, en faveur d'une société à la mesure de l'homme, de sa dignité et de sa vocation. Voilà, la question c'est de savoir comment nous devons, dans les vocations respectives qui sont les nôtres, eh bien, proposer avec insistance, et dire à temps et contre-temps, cette doctrine, et ça passe certainement par la nécessité de se former, de la connaître et de la travailler entre nous. Voilà, ma deuxième partie va être plus courte que la première, parce que sinon je serai complètement en dehors du temps. Deuxième partie, c'est sur la dimension financière. Voilà, donc j'ai fini ma première partie, très rapide, hein, pour certains d'entre vous, ça a été certainement un petit peu des choses bien connues, mais enfin, j'ai pu redire. Deuxième partie, la dimension financière, je voudrais simplement ici m'appuyer sur un document qui est sorti il y a quelques mois, un document qui émane de la Congrégation pour la doctrine de la foi, qui s'appelait « Considération pour un discernement éthique sur certains aspects du système économique et financier actuel ». Puis après, je donnerai quelques citations de « Caritas in Veritate » de Benoît XVI. C'est vrai que l'Église, par rapport à ces questions financières et économiques, elle a toujours voulu tourner le dos à la fois au communisme et à un libéralisme enfin, exacerbé. Et voilà, sans proposer vraiment une troisième voie qui serait bien, comment dire, bien déterminée. Et elle prône dans ce domaine une régulation nécessaire. Parce que la régulation ne peut pas simplement être le fait de l'État, parce que sinon, ben voilà, on tombe dans le communisme, dans le socialisme à outrance, mais la régulation ne peut pas non plus être le fait du marché qui, à lui seul, bien, ne peut pas assurer la justice sociale. Donc, il faut préconiser une régulation raisonnable du marché, des initiatives économiques selon une juste hiérarchie des valeurs et en vue du bien commun. Alors, dans ce document qu'a écrit donc la Congrégation pour la doctrine de la foi, en fait, il y a une description de la société d'aujourd'hui avec ses inégalités très profondes, mais je pense que ça a beaucoup rejoint l'exposé que vous avez eu en début d'après-midi hier. Et dans cette situation dégradée, le texte nous dit « Il manque à la fois une juste régulation, donc l'Église attend et promeut, et aussi un fondement éthique pour avancer sur des bases communes. » Et c'est ça vraiment la difficulté, c'est comment arriver à dégager, et que ce soit admis par tous, un certain nombre de critères que le texte ici énonce, notamment il expose quelque chose qui me paraît évident, mais un retour à la sagesse et une éthique fondée sur la liberté, la vérité, la justice et la solidarité. Et dans ce domaine, il prône vraiment le texte un vrai dialogue entre les instances politiques et les instances